Bonjour à tous, bienvenue sur Guilty Gaming. On se retrouve aujourd'hui sur Stardew Valley. J'ai eu envie de recommencer le jeu. Du coup, je me lance dans une toute nouvelle partie. Je vous l'ai déjà fait découvrir il y a très longtemps. Et là, j'ai envie qu'on se fasse un petit let's play en plusieurs épisodes sur Stardew Valley pour voir un petit peu l'évolution. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire le tour un petit peu de ma petite ferme. Alors là, il y a mon petit chat, il fait dodo au milieu de nulle part. Alors, je me suis couchée très tard la veille, du coup, mon endurance est à peine de moitié. Donc, on va s'occuper principalement d'arroser déjà ce matin. On se couchera certainement très tôt parce qu'on n'aura pas une grosse possibilité de faire des choses. Et on fera mieux le lendemain. Il faudra que je mette une graine, je dois avoir encore des choses à planter. On va faire pas mal de collectes, je pense, aujourd'hui. J'aurais aimé aussi qu'on passe à la guilde. Parce que j'ai amélioré ma canne à pêche. Et j'aimerais bien améliorer... Avoir une autre épée. Parce que celle que j'ai, c'est un carnage quand vous allez dans la mine, donc... Je vais au moins aller acheter celle qu'on a à la guilde. Ça sera pas une tuerie non plus, mais ça sera déjà mieux. Alors, il y a une grosse mise à jour sur le jeu qui devra arriver. On n'a pas de date. Par contre, j'ai hâte de voir ce que ça va nous apporter. Alors ouais, j'ai effectivement bouffé la moitié de mon endurance. Je dois avoir là-dedans... Ouais, j'ai un peu de cola. Ça ne va pas nous donner grand chose, mais on va le faire quand même. Si on peut gagner quelques actions, on va pas s'en priver. Donc il y a les buissons là qui ont des fruits en ce moment, donc on va regarder en chemin si on en trouve. Là, j'ai à peu près 5 heures de jeu. Donc, c'est volontaire. Je vous ai pas montré le début parce que c'est vraiment très calme. Là, on a déjà plus de possibilités de choses à faire. Alors, j'ai déjà avancé dans le centre communautaire. Il va rester pas mal de choses encore à aller chercher, bien évidemment. J'ai besoin d'algues pour apporter lors de mes soirées à mon club lecture. Pierre. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. J'ai combien de jours? J'en ai 2. Ben, il lui en faut, il dit pas. Apporter à Pierre algues. Bon, ben, on en prendra bien, en plusieurs, on verra bien. On va aller. Alors, je crois que la guilde, ça n'ouvre que l'après-midi, si je dis pas de bêtises, à la guilde des aventuriers. Donc, nous, on va aller checker à la plage s'il n'y a pas des choses à récupérer. Parce que j'ai débloqué le petit pont qui était sur le côté où on peut. Accéder à une autre plage. Alors il me reste 2 villageois à rencontrer pour faire la mission qui est là. Et je sais pas qui c'est horrible. Alors on va déjà regarder ici si on n'a pas des petites choses, ça pourrait être sympa. Et le jeu n'a pas envie d'être sympa, je crois. Ah si! Il me faut 4000, je crois, pour acheter mon poulailler. Donc, du coup, j'essaye de trouver pas mal d'objets à revendre. Les cultures, c'est pas tous les jours. Donc, du coup, même si c'est important, c'est pas fou. Et là, avec un corail, vous croyez vraiment que je vais aller quelque part? Oh, de mémoire, j'ai l'impression qu'il y avait plus de choses sur les plages à l'époque. C'est peut-être moi, hein, mais... On va pêcher un petit peu. Enfin, vraiment un petit peu, parce que vu l'endurance qui nous reste, on passera vite à la journée suivante. C'est pas grave. Bon alors. J'ai pas fait d'appât encore. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est énervant quand ça rebondit en bas.
J'essaie de faire monter au plus vite la pêche. Ah, non, 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 non. Ça va, je tombe sur des poissons sympathiques. On va pêcher de la plage maintenant. Après, quand je vois que le poisson va être compliqué, pour l'instant, je laisse tomber. Je préfère m'orienter sur des plus faciles. On verra après. Algues. On pourra aller voir si on trouve Pierre, éventuellement, pour lui donner, comme on l'a sur nous. Oh, toi, tu as l'air très difficile. Ah, tais-toi, voilà. Tu te moques. Regarde ce qui se passe. Nouveau record de sardines. Ouais, je peux encore en faire au moins un. Ouais, je pourrais en faire encore un deuxième. Et après, on ira voir si on trouve Pierre. Il sera l'heure d'aller à la guilde, donc c'est cool. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore mémorisé qui est quel personnage. Ah, celui-là est déjà un peu plus compliqué, on va dire, mais ça va. Oh! Ouais, encore un, c'est bon. Ça me permet de monter la pêche et d'avoir de l'argent. Algues. Non, on va arrêter. Hop. Alors, on va monter à la guilde. Je vais regarder sur la carte si j'arrive à trouver où est la maison de Pierre. Alors, Pierre, c'est qui? Magasin général de Pierre. On n'est pas mercredi, il n'est pas 17h, donc peut-être qu'il est dans le magasin, logiquement. On va aller voir. Ça, je peux valider ça et on peut monter à la guilde. Par contre, je ne sais pas si c'est ouvert tous les jours, là-bas. J'ai déjà donné une petite dizaine d'objets au musée, je suis assez contente aussi. Je t'ai parlé à toi, petite âme. C'est vraiment total détente avec la petite musique et tout. Du coup, pourquoi je l'enlève? Hop. Est-ce que tu es Pierre? Oui. C'est tout bon. Ça, c'est fait. Du coup. Bon, c'est pas grand-chose, mais ben, c'est toujours mieux que rien. Combien il fait, là, pour la prochaine extension de sac? Ah oui, bien sûr. Avant ça, j'aurais besoin de faire ma maison, quand même. Pour pouvoir installer la cuisine. Alors, pas besoin d'aller au centre communautaire. J'ai rien à y ramener. Ça a été fait. Je vais essayer de me focaliser déjà sur les cultures dans ce communautaire pour pouvoir débloquer la serre que j'avais jamais débloquée sur Switch. Est-ce que je t'ai parlé à toi? J'essaie de parler à tous les gens que je trouve parce que je ne sais pas qui sont les deux qui me manquent. C'est très pratique ces petits buissons à cette période de l'année. Il y en a un peu partout alors, mais bon. Il y en a encore un au-dessus. On va le laisser pour l'instant. J'espère que c'est pas trop cher. Je sais plus combien elle coûte l'épée. Ah non, 250. Ah, dague en fer.
On va prendre la main en bois. Je suis à 3 et... entre 3 et 7 sur les dégâts. Et sur la mienne, c'est pas marqué. Je peux la vendre? Ah oui, nickel. Et voilà, je récupère ça. Ça sera déjà mieux. Du coup, il faudra que j'aille vendre ma canne à pêche. On a bien fait de venir par là. Il y a des choses à prendre en cueillette. Plein de petites choses à vendre pour bien avancer. Parce qu'il me faut, ouais, il me faut 4000 du coup pour pouvoir débloquer le poulailler parce que j'adore moi les animaux. Donc du coup, même si je devrais peut-être m'orienter autrement, mais j'aime bien avoir les animaux rapidement. Même si je suis que au premier jour du premier mois du jeu, hein, donc j'ai encore le temps. Mais c'est mon petit plaisir. Je sais absolument pas où je le placerai d'ailleurs, mais finalement, avec peu d'endurance, on a quand même réussi à finir quasiment notre journée sans l'écourter trop. C'est cool. Il va être 19h. Bon, clairement, on peut plus rien faire, hein, mais. J'aime vraiment ce côté zen dans le jeu. Alors. Ah bah il y a plein de... Tout ça, j'ai déjà des exemplaires de côté, donc je peux vendre. Ah non, pas les algues. Moi, tant pis, c'est pas grave. J'en ai plein. On est pas mal comme ça. Du coup, il faudra que je prenne la canne à pêche sur moi, parce que je l'avais rangée, l'autre. Je ne savais pas comment on faisait pour la vendre. Alors, ici, est-ce que j'ai assez pour refaire un lingot? J'ai du cuivre. J'ai du charbon. Voilà. J'ai remis ma canne à pêche ici, mais je n'ai pas fait tout ce qu'on pouvait la vendre directement. J'ai du cuivre, j'ai du charbon. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais éventuellement faire dans les crafts? Ça, il faut du bois, les barrières, ce sera pas pour tout de suite. Coffre, j'en ai déjà assez. Le feu de camp. Ouais, ça fait de la lumière, quoi, mais au final, c'est pas non plus. Ouais, là, vous voyez, il me faut 3 lingots de fer par casier à crabe. Je crois que j'ai même pas encore trouvé de fer. J'ai les appâts. Mais je ne sais pas si on peut mettre des appâts sur la canne à pêche que j'ai actuellement. J'en ai aucune idée. On va aller en fabriquer quand même, on verra bien. Je les ai pas. À chaque fois, je me fais avoir. J'appuie sur le mauvais bouton. Et du coup, ben voilà. Hop, c'est fait. Alors si je sélectionne mes appâts, je ne peux pas les fusionner, ça c'était sûr. Je sais plus comment on fait. Je sais pas s'ils vont sur celle-là en même temps. Je vais les ranger. On fera ça tranquillou. Allez, on va finir cette journée. Bulletin météo. Ok, donc il n'y aura pas de pluie. Humeur normale, vivre à la ferme. De la pluie rafraîchissante, la meilleure amie du fermier. Oui, ben il pleut pas alors. On peut pas allumer le feu. Si, c'est plus joli. Voilà, allez dormir. Du coup, on n'a pas passé de niveau. Mais on a récupéré assez d'argent pour acheter le poulailler, je crois. On a assez d'argent pour le poulailler.
J'ai besoin de chou-fleur frais pour une recette que je veux faire. Peux-tu m'en apporter un? J'en ai plus, je crois. S'il m'en reste un, normalement. Ah, ça, c'est prêt. Il n'y a rien d'autre à cueillir? Non. J'ai deux graines à mettre. Est-ce qu'il me reste? Ouais, très bien. Oh, j'arrête pas de faire ça. Vraiment, passer d'un jeu à l'autre, c'est un petit peu cauchemar des fois. Ce serait bien que je pourrais faire les premiers arroseurs, mais après, c'est encore relativement gérable. Ça prend pas trop de temps. C'est sûr, il faudrait que je puisse aussi améliorer l'arrosoir, ça serait cool. J'aime bien les journées où il y a les petites pétales qui volent comme ça. Je crois que de mémoire, il y a ça aussi en automne. Ah, à plus d'eau. Voilà, on est pas mal. Pas mal du tout, même. On va aller checker vite fait en bas. Chez Marnie, c'est bien ça qu'il me faut pour le poulailler. Je sais plus s'il faut que de l'argent ou s'il faut des matières premières dans le jeu pour faire les bâtiments. Après, il est peut-être un peu tôt. 9h-18h. Ça, c'est large comme plage quand même. C'est pas mal. Bon, 9h, on y est presque. Hein. Je regarde s'il n'y a rien à récupérer en cueillette dans le coin. Il doit y avoir des buissons, hein, normalement. Il est 9h, on peut y aller. Je connais pas le jour de fermeture. Je ne te connais pas. Bah, pousse-toi! J'ai eu la même chose le jour, je voulais rentrer dans ma maison, j'avais mon chat qui dormait, juste là. Donc je pouvais pas rentrer, c'était fantastique. Alors, magasin d'alimentation et de fourniture, qu'est-ce qu'elle vend? Paille, radiateur, sauce, cisaille, ok. Acheter des animaux. C'est pas elle qui fait le poulailler? Où est-ce que je vais construire le poulailler? Je sais plus du coup. Ça doit être une des boutiques du centre-ville, du coup. On va aller voir. Peut-être... je sais plus si au niveau des outils ou pas. Attendez, regardez sur la carte ce qu'il y a exactement. Le forgeron. Alors, je sais pas si c'est le forgeron. Après, j'aurais quoi d'autre comme magasin, saloon, magasin, centre communautaire, la Syrie. Ah, c'est peut-être à la Syrie. Je pense que c'est à la Syrie. On va aller voir. Parce que le forgeron, je le vois pas trop faire des bâtiments. On verra bien. Ça sera l'occasion. Du coup, elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas encore vu, qu'elle ne me connaissait pas. Donc, est-ce que je suis passée à 27? Pas du tout. Donc, je l'avais déjà vue. Ou alors ça fait partie des personnages qui n'ont pas d'importance, je sais pas. Je suis passée à côté, non? Ah non, c'est encore plus haut. Bah c'est là. Ah, on a des petites bébêtes. Un livre. Construire les bâtiments de la ferme. Donc, c'est bien là. Annoncé 4000. Ah, il me faut 300 pierres. 300 bois. Oh, et 100 pierres.
Ben, on va devoir tryhard un petit peu. Pour l'instant, je peux faire que ça. Ok. On va devoir tryhard le bois. Pas trop le choix, hein, pour le coup. Ben, je me dis, il est tôt. On peut peut-être s'essayer. Non, on va aller pêcher. Je ferai de la mine un peu plus tard. Je referai de la mine un petit peu plus tard. On va pêcher en rivière un peu, tiens. Poisson? Oui, tu n'as pas tes poissons. Je crois qu'il n'y a pas de poisson dans mon jeu. Si ça... Ah bah non, c'est une algue. Ah, j'avais éventuellement le chou-fleur à aller chercher pour la mission. Oui, parfait. Poisson lune. J'ai gardé un exemplaire de chaque poisson, hein, déjà. C'est très dur quand on arrive comme ça, hein, que ça redescend, c'est horrible. Ashigan a petite bouche. Je me suis fail, je me refail. Ah, oh, journal détrempé. La pêche est moins horrible que dans mes souvenirs. Hein. Mais non, mais je voudrais pêcher un petit peu un poisson, moi. Ça suffit maintenant. Je veux bien utiliser mon endurance, mais pas pour ramasser toutes les crottes de la terre. Je sens qu'il va pas y avoir de poisson non plus là. Allez, allez. Si ça va. Nickel. Qui c'est qui voulait le... C'est qui Jody? Jody, c'est elle, ok. Est-ce que je verrai pas ici ce que j'ai pas vu? Il me reste les deux là en fait. Donc une petite blonde et un monsieur habillé en bleu. Je fasse attention. Ils sont peut-être dans le magasin que j'ai ou sur lequel j'ai pas été encore. Ils pourraient peut-être être là-bas. Moi, je m'aventure toujours dans des chemins. Tu peux pas suivre là, simplement la route, non. Ah, on a encore une fleur là de l'autre côté. On va se débarrasser de tout ça. Non, pas du tout. Alors le journal, je vais le garder parce qu'après, quand il y aura le... Pour le... Je crois qu'il y a un recycleur, hein.
Donc du coup, je le mettrai dedans, mais... J'ai un coffre où je mets tout ce qui vient de la mer, tout ce qui est un autre, tout ce qui est verre, entre guillemets. Et l'autre, je mets tout ce qui est bois. Alors attendez, les pierres, j'en ai 54. C'est parce que j'en ai déjà mis 100 au centre communautaire. Ah, le bois, je suis bien en fait, hein. On devrait pouvoir, je pense, dans une prochaine vidéo, aller chercher le poulailler. Alors, il faudrait que je choisisse l'endroit où je le mets. Je pense qu'on va le mettre par là. Du coup, on va nettoyer un petit peu. Ah ouais, mais j'ai la grosse souche qui va m'embêter en fait. Je peux pas la casser pour l'instant. C'est un peu ça qui est dommage. Parce que si je peux pas la casser, je peux pas mettre mon poulailler dessus. Bon, après, je peux le décaler sur le côté, hein. Si je le mets genre un petit peu à la hauteur de ma maison, genre ici, comme ça derrière j'ai toujours l'accès pour amener de l'eau au chat. Ouais, ça peut être pas mal, on va déblayer. Bon, j'ai encore une fois plus beaucoup d'endurance. On va préparer le terrain pour le poulailler. Ah, on a des petites bébêtes! De l'argile. Ah, je pense qu'il y a moyen que ça passe là. Bon, j'ai mon endurance au bout de sa vie. Et du coup, on va pouvoir s'arrêter là sur cette première vidéo sur mon retour sur Stardew Valley. J'espère que ce prochain let's play qui vient vous plaira. J'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Du coup, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.